Jeu de cartes. Oui. Tu vas choisir une carte dedans. N'importe laquelle. N'importe laquelle. Mmh. Alors. Oula. Je prends celle-ci. Surtout ne me la montre pas. Je peux la montrer à Nicolas et aux enfants. Je peux bien sûr la montrer aux enfants. Oui. Regardez bien. Regardez bien. Maintenant, tu vas la remettre dans mon jeu. Bon. Voilà. Tout le monde a vu, hein? Oui. Parfait. Et je vais te dire de quelle carte il s'agit. Attends, Philippe. Tu es capable de faire ça? Bien sûr. Oh. Ah bon, bah, vas-y, je te demande qu'à voir alors. Regarde. D'ailleurs, c'est la seule qui va se trouver à l'endroit sur mon jeu de cartes. Hop, on va la retrouver. Attention, la voilà. Hop. Ah. Est-ce bien celle-ci? L'as de cœur. Bravo, Philippe. Alors là, Philippe, épatant. Tu nous avais caché ce talent. J'en reviens pas. Mais attends, Philippe, tu vas quand même pas faire de la concurrence à notre invité? Ah non, 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 non. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, nous recevrons Pierre Barclay, que vous connaissez déjà, et qui va nous montrer quelques nouveaux tours de magie. Non, non, mais rassurez-vous, déjà, pour faire ce tour, il m'a fallu beaucoup d'entraînement, et cela m'a demandé une concentration énorme. Oui, une concentration tellement forte, Philippe, que tu vas nous laisser avec Julie présenter ce qu'il y aura dans le Disney Club. Je crois, oui. Eh bien, c'est avec joie que nous retrouverons la bande à Picsou, où il est question du vol du sou fétiche de Picsou. Il y aura également Tic et Tac, qui seront attendris par les sanglots d'un gorille, qui est le cobaye d'un professeur fou. Super Balou dans une nouvelle aventure où l'intelligence et l'ingéniosité de Balou et de ses amis vont triompher. Nous retrouverons également Donald dans une situation très embarrassante. Ses tics font effondrer un immeuble. Nous verrons également deux reportages. Le premier à Euro Disney, nous avons retrouvé un ami à nous, Roger Rabbit. Et le second où nous avons fait la connaissance d'une grande star du festival d'Avoriaz. Enfin presque. Donc encore deux bonnes heures de fou rire et de bonne humeur. Alors commençons tout de suite cette émission avec un dessin animé. Ouais. Écoute bien Nicolas, c'est un dessin animé avec Dingo. Ah. Dingo va nous entraîner à la pêche. Voici Dingo va à la pêche. Le moment idéal pour aller à la pêche... Eh oui, il ne faut pas croire que la pêche est un sport aussi calme qu'on veut bien le prétendre. Dans quelques instants, le premier indice de notre concours. Alors, à tout de suite dans le Disney Club. Alors là, bravo Julie, tu es vraiment superbe. Un vrai port de Rennes. Il s'agit du premier indice de notre concours et il faut trouver aujourd'hui un personnage féminin qui a laissé un certain souvenir dans l'histoire. Oui, elle n'était pas commode et elle avait même un sale caractère. Pas comme notre Julie d'ailleurs, qui est un ange et que nous aimons beaucoup. Enfin bon, on ne s'attendrit pas. Si vous avez déjà une idée sur le personnage que nous cherchons aujourd'hui, vous n'hésitez pas à nous envoyer une jolie carte postale avec votre réponse à notre adresse, le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Et si nous trouvions la bande à Picsou? Ouais. Voler le sou fétiche de Picsou ne paraît pas très important à Gripsou. Mais lorsque le mauvais sort s'acharne sur lui, il n'a qu'une envie, rendre le sou et retrouver sa bonne étoile. Voici la bande à Picsou. Ouais. C'est le plus grand bravo. Toujours dit, un sou, c'est un sou. Mais non, Julie, elle est pas auvergnate. Elle est presque belge. Oh, attention, toi, Nicolas. Tu sais que dans quelques instants, nous allons recevoir Pierre Barclay. Oui. Tu te souviens, le magicien? Il claque dans ses mains et hop, plus Nicolas. Un peu comme ça, en fait.
Nicolas, Nicolas. Oh là là, mais comment on fait pour faire revenir? Oh, ça marche pas. Vite, Pierre Barclay. C'est dans la suite du Disney Club. Pierre, Pierre, vite, viens à notre secours. Oh, Nicolas a disparu, vite, viens. Qu'est-ce qui se passe? Faire quelque chose, Nicolas a disparu, j'ai frappé dans mes mains et puis hop. Et tu peux pas. Non, on verra ça tout à l'heure, je fais rien, mais je vais te faire participer à un jeu. Premier jeu de la matinée. Sais-tu comment on appelle ce petit objet mystérieux? Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que c'est le restant d'un étui à lunettes, peut-être? Non, 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 on ne peut pas trouver de toute façon, bien sûr, sinon je ne serais pas là. C'est un petit porte-monnaie écossais. Tu sais pourquoi? On a l'impression qu'il est vide. Il y a véritablement quelque chose à l'intérieur. Oh. Une petite balle éponge, tu peux vérifier, il n'y a personne à l'intérieur, il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de double fond. Non. Et avec cette balle éponge, on peut mesurer les réflexes. Alors, premièrement, les réflexes visuels. Combien voyez-vous de balles éponge? Une. Non, on va recommencer. Combien voyez-vous de balles éponge? Deux. On peut changer plusieurs fois, c'est ce qui fait le charme du jeu. Est-ce que tu veux tendre la main gauche? La gauche. Ah, pardon. C'est la main qu'elle pousse, on y va à la droite, on le sait. Attention, je vais la balle dans ta main, à trois tu fermes, d'accord? Et le trois. C'est pas facile. Bon, je vais te tendre un piège. Alors, Julie. Un, deux, deux et demi. Ah. Une pour moi, une pour toi. Attention, tu me rends mon doigt, ça fait chier. Attention, regarde. Concentration, chibidibidi. Ma balle a disparu. Est-ce que la tienne a disparu? Je sais pas. Est-ce que tu veux dire chibidibidi? Chibidibidi. Ouvre tout doucement la main. Ah! Et ben voilà, c'est merveilleux. Tu es magicienne aussi, je le savais. Tu lui as pris sa balle. On va recommencer. Un, deux, trois, tu fermes. Tu me rends attention. Maintenant, un peu d'imagination. Une petite balle invisible jaune. Ah oui. De quelle couleur est cette balle? Jaune. Il y en a deux qui suivent. Ça fait plaisir. Attention, regarde. Télékinésie. Ch'toum. Tu as senti quelque chose? Je suis pas très sûre. Une brûlure au niveau du cortex? Rien? Non. Ouvre tout doucement la main. Oh, oh merveilleux. Oh. Ah, bah, mais la jaune, on la laisse pour l'instant. Voilà. Tiens, je garde la jaune et maintenant je vais te donner les petites balles rouges. Voilà, tu fermes bien la main. Attention. Est-ce que tu as déjà joué au bowling? Ça m'est arrivé, je suis pas très douée d'ailleurs. Alors, il faut simplement souffler sur la main avant de jouer. Souffle sur ta main, ouvre d'un seul coup la main. Ah, et il y a même le trou pour jouer au bowling. À toi, c'est facile, c'est la magie, parce qu'on a dit chibidibidi, c'est tout simple. Alors là, bravo Pierre. Dis-moi, on a un petit problème parce que Julie a fait disparaître Nicolas et le Disney Club sans Nicolas, c'est plus vraiment le Disney Club. Alors, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour nous? Vous avez essayé le chibidibidi? J'ai tout essayé. Et ça n'a rien donné? Tu vois, je te l'avais dit. J'ai un petit truc magique. Regardez. Nicolas, tu veux venir? Oui, mais c'est facile, il suffit de l'appeler comme... Oh. Tu es revenu au bon moment, car nous allions justement partir à Euro Disney dans un endroit où il se fait des choses délicieuses. Tout ce que tu aimes. Regardons. Miam. Dans le domaine culinaire, il y a de tout. Des cordons bleus, des gras de sauce et des super chefs comme Francis, grand maîtresse glace chez Disney. Alors Francis, quelle sorte de glace y a-t-il ici? Alors nous avons les sorbets. Simplement une purée de fruits et du sucre. Vous avez un sorbet au citron vert, un sorbet à la mandarine et les crèmes glacées qui sont derrière. Les crèmes glacées, la différence, vous avez des œufs, de la crème fraîche et des pulpes de fruits. On a gardé nos produits le plus naturellement possible. Garder les fraises avec un goût de fraise, un bon chocolat qui est très bon et de la glace aux noix de coco. Mets-nous l'eau à la bouche et dis-nous quels sont les différents parfums qu'on pourra trouver dans le parc. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup sur cette table, mais je pense qu'il y en aura encore d'autres. Oui, bien sûr, on a à peu près 16 variétés de glace à base de crème, sans compter nos sorbets. On va pouvoir les déguster à peu près toute l'année, pratiquement dans tous les points de restauration. Pour moi, fraise, elle est excellente.
On a l'impression de manger des fraises écrasées très très bonnes. Le chocolat, vraiment puissant, celui-ci. Excellent. Et pour moi, le meilleur des meilleurs, c'est la noix de coco. On a l'impression qu'elle vient juste de tomber de l'arbre. Vraiment fraîche, sans le lait, elle est excellente. Mmh. Bah, écoute, je crois que le mieux, c'est que le rendez-vous soit pris. Et puis en attendant, bon appétit. Nicolas, nous avons passé une journée exquise. C'est vraiment dommage que tu n'aies pas pu venir avec nous, vraiment. Oh, de toute façon, c'est pas grave, j'aime pas les glaces. Quoique, une bonne glace à la fraise. Et puis d'ailleurs, ça n'est pas dans une glace que Katox veut plonger Tac, mais dans du chocolat chaud. Et tout ça à cause d'une histoire de gros diamants. Voici Tic et Tac, les rangers du risque. Dans quelques instants, séquence cuisine. Et aujourd'hui, cela concerne le goûter. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club.